Good evening. Buenas noches. Señor Premier Suárez, ambassadeur de cette part. Je salue tous les cinéphiles, tous les professionnels, et je salue également mon ami le maire de Montréal, Denis Coderre. Je me félicite également d'avoir enrichi la langue française avec la nouvelle expression macro-piqueur politique. Il est vrai qu'une expression similaire a été créée par le grand poète français René Char dans son célèbre poème Le marteau sans maître en 1934. Mais je trouve que c'est plus original le macro-piqueur politique de notre shérif bien-aimé. Notre cher ami et l'immortel de l'Académie française, qui est là sur cette scène, Daniel Ferrière, se trouve parmi nous ce soir, et il m'a promis de faire tout son possible pour que cette expression figure désormais dans le dictionnaire de l'Académie française. Espérons pouvoir permettre à cette nouvelle expression de M. Coderre de s'établir de manière permanente avant que les autres ne manquent pas de marteau piqueur culturel. Je me présente maintenant, moi, ce Jésus mortel, comme on a essayé d'enterrer vivant à plusieurs reprises. Si j'avais été aux Jeux Olympiques pour le mort vivant, j'aurais sans doute gagné la médaille d'or ou du moins la médaille d'argent. Bravo! Alors voilà ce que je vais vous dire, mais face maintenant aux immortels qui sont Daniel, David Putnam et Daniel Ferrière. David Putnam, comme vous le savez, c'est l'un des plus grands producteurs de notre temps. Pensez à Killing Field, Chariots on Fire, Walker Hill, Midnight Express, Cash Voyage. Maintenant, je regarde toujours à côté de moi s'il n'y a pas de gens trop collés sur moi qui n'ont pas même dans la poche de la drogue. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué. Sans tarder, je vous présente Lord David Putnam. David! Magique.
mondo e sarà un disagio della fraternanza. Allora, ladies and gentlemen, credo che ciò non deve essere già nessuno passato. Non so, ma non credo che fa tante. Perché se vuole, la sinistra si vuole un certo di te, è più di verità. I'm very happy to be here. I love Montreal. It's a great city. I've been here for 3 times and he got the first prize, the best movie prize, 3 times. Așa, conducă la noastră, Festivalul Montreal, poți să zic, apoi în zic, te-ai încălzat o fara, chiar ce am șat, dar pe când și mă pășim, pare de dar nimic. I appreciate Mr. Yuzik to make this happen and invite this imagine to be here. The main thing of this movie is that we wanted to make, to correct the wrong impression of some violent, minor violent groups that made an ugly face of Islam. He wants to correct this to show that the true face of Islam is the deal of peace, love, and friendship. Je vais maintenant les paroles de M. Machidi qui remercie M. Lozier de l'avoir invité. Il dit que c'est la tour, il a été heureux de gagner 3 fois le prix des Amériques, le Grand Prix des Amériques. Et ce film qu'il a qu'il propose ici, c'est qu'il a mis 7 ans à le faire entre le moment où il a décidé de le faire et aujourd'hui où c'est la première montée du film. Le film a été éclairé par Vittorio Storaro, qui est un des grands directeurs de la photographie mondialement connu. Et de façon sommaire, M. Machidi veut préciser que ce film veut présenter une face tout à fait différente de celle de certains médias de l'islam, qui est en fait une religion de paix, d'amour et de fraternité. Et donc c'est l'effort qu'il a dû faire à partir de ce film pour pouvoir donner cette image de l'islam, contrairement à certaines usurpations d'autres membres, d'autres personnalités.